joueurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Articuno Gaming, comment allez-vous aujourd'hui? Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition. Aujourd'hui, je vais commencer un monde survie devant vous. Alors, je suis Ewiz en survie, j'ai activé les coffres bonus et la conservation de l'inventaire qui est ici. Et voilà, créé, les amis, je ne sais pas où est-ce que je vais atterrir. Avec un pote, on avait atterri sur une map où c'était sur PS4, on était atterri sur la baie de Taga. On avait vu un manoir, je sais plus ce qu'on avait trouvé sous terre, c'était un truc avec des rails, plein de spawners, tout ça, je trouve plus le nom. Donc les amis, on avait vraiment été riches, on n'avait pas encore notre lit, on avait déjà eu 9 diamants. Il s'est fait une épée en diamant et une pioche en diamant, et moi j'avais une pioche en diamant plus un autre diamant. Les gars, et on s'était bien stuffé. On n'avait pas trouvé d'or, on avait trouvé là le lapis lazuli et la redstone. En tout ça, même pas 2 heures. Ok. Tac. Oh, yes. Tac, 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 tac. Et hop, 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 hop. Alors, les gars, là, par contre, j'aime bien là, tout ce que j'ai dans le coffre. Donc après, les gars, je vais miner le coffre. Et surtout les 4 torches. Pour après aller dans une mine. Alors les amis, je vais aller dans une mine. Donc je vais essayer d'aller dans une mine la plus proche. Bien sûr, va falloir patienter. Oh, ils m'ont donné une hache en pierre. C'est excellent ça. Une hache en pierre. Donc les amis, le temps que je trouve une grotte, je vais mettre pause dans la vidéo. Donc les amis, attendez, déjà je vais détruire ce mouton. À coup de hache en pierre. À part si j'ai une épée. Non, bien sûr. Je n'en ai pas. Après, j'irai chercher une grotte. Donc les gars, vous mettez bien là. Voilà. Allez, je veux le spam click. Oh yes. J'y commence déjà. Bon, d'ailleurs, donc les gars, je vais récupérer cette canne à sucre. Puis, je mets pause. Pause. Attends. Attendez 2 secondes. Attendez, c'est une grotte, ça. Ce reste l'entrée d'une mine. Ouais, les gars, c'est une grotte là. Non, ça a dû être l'explosion d'un creeper. Oh mince. Ah, c'est débile. Ah mince. Donc les gars, le temps que je sors de l'eau, je vous dis à dans 2 secondes. Donc les amis, en fait, c'était beaucoup trop facile. En fait, il y avait une grotte juste à côté de l'endroit où j'ai spawné. Simplement, j'allais tranquillement tuer une vache, voilà. L'endroit là où je suis tombée dans l'eau. Je suis tombée là, et en voyant ça, je regarde de ce côté, il n'y a rien, je pose une torche, et là je vois un trou. Les amis, il me faudra du charbon. Il me faut du charbon. Tac, j'ai mon établi, voilà. Mon inventaire. J'ai une pomme. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma main? Je vais mettre ça, voilà. C'est mis, je vais lentement. Et en conservant les torches. Ah mince, mais ce n'est pas une grotte, les gars. Donc le temps que j'en trouve une autre. Ah, dans 2 secondes. Oh. Yo les gens, je viens de trouver une mine, mais alors une bonne là. Et j'ai vu. Oh yes, j'avais pas vu ce minerai de charbon. Et là-bas, j'ai vu des arbres qu'on trouve sur les îles champignons. Là-bas. Vous voyez, il y a du rouge. Votre droite et votre gauche. Donc désolé si vous les voyez pas, vous mettez pause et vous cherchez. Parce que là, moi, le plus important pendant ce temps, c'est de miner ceci.
Le charbon, c'est hyper important au départ d'une aventure pour vous faire des torches, éloigner les mobs. Donc, je risque d'y casser ma pioche, mais je vais m'en faire une autre. J'ai trois bâtons sur moi. Oh là là, mais les gars, j'en ai plein. Donc les gars, le temps que je récolte tous les gars, je vous dis à dans 2 secondes, vu que le but c'est quand même de trouver un peu de fer dans cette aventure. Re les amis, je descends dans la mine maintenant, vu que je viens de récolter simplement pas mal de bois. Je me suis fait des torches, tout ça, tout ce qu'il nous faut. J'espère que c'est quand même une grotte, parce que... Et que j'y trouverai pas mal de bonnes choses. Ça remonte. Tac. Donc les amis, je vais miner un peu de pierre, histoire de me faire une épée en pierre et 2 pioches en pierre ou plus. J'ai tout récolté. Bon, ça devrait suffire, je sens. On établit à la place du champ. Voilà. Tac. Donc voilà. Une épée, ça me suffira largement. Et je peux m'en faire 2, comme je l'avais dit. Ça me suffira, je pense. On va mettre ça à la place de celle-là. Donc c'est bon les amis, je peux reprendre mon établi. Par contre je mine tout pour l'instant avec mes pioches en bois. La pierre, je la garde précieusement. Le couloir se sépare. Celui-là descend et celui-là il va où ? Pas encore. Celui-là descend, ça me convient. Donc les amis, je vais aller dans le tunnel que j'ai choisi. Celui-là, il me plaît pas trop. Il descend trop en piqué. J'aimerais descendre petit à petit, même si j'aimerais aller très profond. Là, il y a un petit escalier. Alors les gars, notre but de cette mission, c'est de trouver les minerais de fer. Donc les gars, je vais aller un peu plus loin dans la mine, les gars, donc dans 2 secondes. Donc les amis, j'ai trouvé du minerai de fer, mais je suis arrivée à une impasse, du coup j'ai pris celui qui descendait très profondément. Donc les amis, je vais directement miner ce beau minerai. Ah là là. Faudrait... Oh yes, en plus il y en a pas, il y en a beaucoup. Tac. On a pas mal de minerais. Oh, ça continue. Oh là, je suis riche. Donc les amis, voilà ma première occasion. Donc, je suis à côté d'une crevasse. Donc les gars, le temps que j'explore cette crevasse, je vous dis à dans 2 secondes. Les gens, je suis sortie de la mine. En fait, la mine était remplie d'impasses jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun endroit où aller. Donc les amis, là je suis en train de récolter un maximum de fer. Donc déjà j'aimerais me faire pas mal. Oh attendez. Ah, je pourrais me faire un peu astronfer. Mais déjà une épée en fer. Une pioche en fer. Ça suffira pour l'instant. Je vais voir si je peux faire un... Je me fais un bien wagonner des rails. Des
Il faudrait que j'aille dans une autre mine pour me faire plus de wagonnets de rail. Attends, 5 encore m'attendent et j'en ai sur moi 8. Ça me fait 12. J'en aurai 12 en tout. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bah oui, je peux très bien me faire un de ces fichus de wagonnets. Et bien sûr, là-dessus, je vais avoir besoin de ça. Et après, je vais me faire quelques rails. On ne sait jamais. Mais ouais, en fait, si vous voyez que j'ai perdu de la life, c'est parce que, sans faire exprès, j'ai tapé une araignée avec mon épée en pierre. Ça a dû lui faire mal. Et bah, elle m'a sauté dessus, quoi. Je me suis pris 2 ou 3 coups. Après, plus rien. Je l'ai explosé. Là, je vais mettre 4 poissons. Ah mince, non, surtout pas. Je vais mettre un poisson, voilà. Et après, j'y mettrai du mouton. Pour en faire du mouton cuit. Voilà, encore un combustible. Bon, au fait, mes rails. Je dirais que je retournerai dans la mine. Et v'lan. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? FR, non, je rigole. C'est pas comme du fer. Donc, les amis, voilà pour cette petite partie survie où vous avez vu. Déjà, je vais me faire. Je vais faire des petits chemins pour descendre dans une mine. Dans la mine, ouais. Et bah, après, je verrai. Comment je vais faire. Mais. Ce que je peux vous dire, les gars, c'est que je vais peut-être faire une suite. À cela, mais bon les gars, déjà c'est déjà l'heure de ce qu'il dit. Du coup les gars, je vous dis ciao, bye bye, n'oubliez pas de liker la vidéo si tu as aimé et de t'abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un de ces petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Ciao, bye bye.